Et là, mon Kolanda émission Oyo, toujours ça là en direct de la ville de Goma. Oyo, il y a un nouveau numéro Nabiso, il y a un nouveau jour, il y a moi, c'est-à-dire aujourd'hui, le 1er mars 2024, l'autre bandit. Sanza yasika na bisika bozali tolobi matondo mingi ba ndeko ba landi ya Congo live television. Pona lelo toza na ba masolo ebele oyo toko solo landenge boyebi ezalaka Congo live television awa toza en direct de la ville de Goma pona kopesa bino ba sango oyo ya masolo ezoleka na kati ya mboka ndenge botiki kolanda na video oyo bomoni na et bandeli ya émission na biso tozana ba masolo e belé oyo tokopesa bino boyebi spécifiquement nga moko na zalaka awa pona kopesa bino ba situation sécuritaire déroulement ya bitumba boni makambo ezo continue boni musale ezo kende boni ba FRDC ba zo mi comporter sur le terrain boni musala oyo tondima koko ba pona ekolo ezo continue nango ndenge nini. Pour commencer, les dames et messieurs, yango toza awalelo pona kopesa bino ba information o ya moto moto basango o ya moto moto à ce qui concerne la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Pona kobanda ndenge ba moko ba ebi soki oza ya sikana no ebite kombonanga Youssoufou Kibingila David, je suis journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo. Je peux encore ajouter au-delà de ça pour dire chargé, oyaza chargé, kopé sabino basango. Ya situation, ya mboka ndengezali. Boyebi toza ebele, tozo bundisa, poke mboka oyo kendete, tozo bunda, poke mboka nabiso ezala na intégrité nationale nango, donc superficie nango, ezala ndenge, ezala kaka. Banguna oyo bazo bundisa pour que bazwa mboka eloko wana esila nango donc toza eveye bamoko bazana kati ya mboka bamususu bazali banda mboka mais biso nyoso elongo tozo lité tomona boni tokosala pour que mboka na biso etikala ya kokoka banguna bandima baboya bandima bazala tamukolo moko te na makoki ya kozwa mboka na biso yango tozali lisusu lelo awa pona ko apporter bino basango to ba nouvelle oyo eza na kati ya mboka na biso. Tokolobela basango ebele lelo toko aborder plusieurs points plusieurs sujets ya masolo oyo mayemazo salema na kati ya mboka na biso mais pour commencer na ba ye oyo bazo réclamer ke no babima mboka kala bazana besoin pe ya koyoka basango mais bazana un peu na difficulté pona monoko ya mboka o nazolo beyo eza lingala yango bayemoko bazolo ba to facilita kabango pe tâche koloba na lingala mais asela oyo bazo finga biso koloba keno biso tozotikala kana lingala sachez bien que lingala eza mboka na biso lingala eza monoko ya mboka na biso si vous voulez bien négocier que to loba ka pe na français to anglais bon wana ikoza la paramètre mosusu mais lingala yango eza pona mboka c'est-à-dire on va toutefois voir pour to mona boni to ko sangisa masolo lingala français on verra toujours comment le mélanger pour que baye oyo bayo kaka lingala te ba mi en sortir pe na makambo yango oyo to pesaka ce que je disais déjà est que le loto ko aborder ba point ebele ba sujet ebele na ba sango oyo eza na kati ya mboka to kolobela arrivé ya ba généraux oyo ba koma ki lobby na kati ya ville ya Goma. C'était dans les après-midi de hier, il y a les après-midi à lobby, je voulais dire alors, les après-midi à lobby, oh bah généraux bah koma qui a les généraux na kati na bango ya SADC, il y a les généraux à République démocratique du Congo, baza e belé bah généraux ya sous région awa, toko décortiquer liboso bokoye ba, bayaki kosala nini, baye na mission nini, boni bah koma ki na suite na bango eza ndenge nini. Au-delà de ça, pour y ami balé oyo toko solo la pona yango lelo toko solo pona bombe oyo e betamaki na kati ya cité ya Sake. Lobby oyo e visaki ba auto blendé oyo ya SADC
Nani mutu abeta ki yango, vous allez découvrir ici, c'était quoi la suite? Est-ce que Bauto Blende wana esimba maki, to esimba maki te? Donc, de là, tout au long de cette émission, vous saurez c'était quoi après la suite. Il y a bombardement wana. La cause est à bombardement wana, et zela ki nango nini. Donc, tout au long de cette émission, beaucoup zoa, information, oyo esengeli bozoa sur la situation, il y a question wana. Au-delà de ça, tokolo bela pe, kokufa ya colonel moko ya M23 oyo akufa ki, je vous dis bien, c'était l'un des piliers ya M23, c'était l'un des plus grands cadres ya M23 akufa ki ndenge nini batunani babumaki akufa ki wapi. Donc vous allez découvrir tout au long de cette émission et kokufa na ye et koze nini après. C'est quoi la suite après Kokufa Naye? Donc, on va découvrir ça. Et le dernier point auquel Tokolo Belalelo, Eza, vie Oyo, Bande Konabiso, Bazana Bakan, Ba déplacé, Bazo vivre, via Bande Konabiso, Oyo Bazana Bakan, Ba déplacé, Bazo mené Mikoloyo, surtout à ces temps où la pluie fait rage, Nabata Oyo Moulezo Beta Koto Mikolonyoso. Donc, vie Oyo Bazo mené, Eza, vie Oyo, Eza, très difficile, ce n'est pas vraiment facile, mais. Tout au long de cette émission, on essaiera de parler de cela, la détermination, le courage, ya bande konabiso FRDC na wazalendo de toko solola, masolo yango lelo. Les dames et messieurs, installez-vous confortablement pour avoir le détail et pour na kolanda, ba détail oyo ya masolo maemazo le kanakati ya mboka na biso République démocratique du Congo et plus particulièrement l'est de la République. Pona kobanda ndenge na lobaki na ebandeli oyo video bomonaki na ebandeli ya émission eza koloba eke les chefs d'état major généraux des pays contributeurs des troupes de la SADC des troupes de la force de la SADC voulais-je dire déployés en République démocratique du Congo plus le Burundi en appui au FRDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, dans la traque de M23, sont arrivés jeudi à Goma pour une rencontre de commandement de haut niveau, affirme le source militaire. C'est-à-dire, l'Obi Bakitaki na Katia Ville à Goma, ils sont descendus ici à l'aéroport international de Goma, c'est-à-dire dans la ville touristique de Goma, place Bakitela, Kitozaki, Nabango et Longo, ils sont venus. Dans les après-midi de ce jeudi, donc l'obi wana ndenge bozomona bakomaki ezana bakonzi ebele ya le bakonzi ya SADC ya bakonzi ya ta ya ba Tanzanie ya bakonzi ya ba Malawi ya bakonzi ya Burundi ya bakonzi ya République démocratique du Congo. Donc wana ka staff ya ba généraux ndenge bozotala yango mobilisation moko eza na sous-région pour finir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, oyo batu bazo betana comme pas possible, oh les rebelles du M23 s'imposent, mais FRDC na appui oyo ezo zwa ya batu yango pe emi imposé. Bakonzi oyo bakoma ki ndenge bomoni bazo kitawana, donc on a na motema na bango décision ezako kimisa M23 jusqu'en dehors ya pays. Donc vous le savez très bien depuis des ans. Les rebelles du M23 sont 210, se sont improvisés. Bayaka ki na kinguna na bango sur le sol congolais et ça fait plus de 2 ans qu'ils sont là. Alors, ce dernier temps, la sous-région est mobilisée, la sous-région excepté certains pays traîtres Oyo Boyebi, excepté certains pays agresseurs Oyo Boyebi. Bamosusu sont mobilisés, c'est l'exemple du Burundi qui sont tellement mobilisés, à l'exemple de Tanzanie et d'autres Contejao qui sont vraiment mobilisés à finir avec l'M23, mais principalement avec le FRDC Oyo Baza Batu Oyo Bami Pessi, raison pour laquelle vous voyez même Yali Bosso Anandenge Bazo Kitaiza Bakonzi, il y a Christian Tiwewe, il y a à côté là-bas, il y a le général Foul Sikabwe, il y a Zamu Konspe à l'opération Awa, il y a le général de la province du Nord qui voulait Pazawana Bazo Yambabango Bakonzi. Oyo Bazoya, ya le général Sylvain Kenge, porte-parole et armée au niveau national, bango nenge bozo mona bango, na délégation Oyo Ekoma Kilobi, donc bakita ki na bango, koya komi rassure réellement que Masolo ezo continue nango très bien. Avant d'aller au-delà pour savoir qu'est-ce qu'ils ont venu faire, tosali moi pas en arrière,
pour savoir oyo tolobaki na bakonzi ya mboka ya pas plus que deux jours ici et le qui déjà tout ça là qui milolo akolobaki no bakonzi ya mboka basunga biso bakonzi ya mboka basunga biso na kosala nini basunga biso eke ba localité oyo neuf ngomba oyo ekendaki na maboko ma ba mama 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 pingama ekolo to na maboko ya wazalendo ezonga na kati ya maboko ya M23 lisusu te tolobaki yango et plus particulièrement moi même là j'avais proposé que si vraiment c'est bon bankonzi bako kita na Goma pour étudier les stratégies oyo bakosala pour que ba eloko wana ezonga lisusu na maboko ya munguna te pour que ba eloko wana ekende lisusu na maboko ya munguna te pour que ba mboka oyo FRDC na wazalendo bazwaki dans les Masisi il y a d'autres pas places au bazalaki au batu bobandaki koyebate yango ezaka ba place au eza stratégique même plus que ba mushaki au bozoyoka. Il y a d'autres coins qui sont stratégiques. Imaginez-vous lorsque on avait déjà bloqué la route Oyo Ekei, Sake, Minova pour Bukavu, route nationale numéro 2, voulais-je dire. Et ça qui est déjà bloqué. Mais aujourd'hui, il y a déjà facilité Yanzela Wana. C'est-à-dire, Nabaye Oyo Bazo Salaba commentaire, Ozo ta la vidéo, Ozo Peso ba information, Yo Zuika Eloko Yako Sala commentaire na sens ya mabe. Au lieu de soutenir le FRDC, au lieu de soutenir le Wazalendo, toi, tu vois que non, Ruchuru, oh, comme ça, oh, Mushaki, non. Il y a des mécanismes qui sont en train d'être en place, oh, bah, aussi en place pour voir comment bouter ces jalibanda Yamboka. Si tu ne t'es pas informé, moi, là, je vous informe. Na journaliste d'investigation, na Ibisa Kabino Masolo, donc, Yangoana Makambo. J'étais en train de dire, oh, tout le bas qui n'a pas conziqué, et c'est là qui va quitter, pour pas mon abat, étudier ma stratégie, bah, comme ça, pour qu'il bah, m'a connu qui n'a pas été. Heureusement, l'obi, bah, cause toko, le baba répondra qui n'a pas le tout ça, là, qui, bah, n'a pas quitté, n'a qu'à sa ville à Goma, et nous allons, discuter avec eux, au-delà, comme on a bango, n'est que tout le monde qui bango, le lobby, donc, toko discuter, to espérer, toko discuter, na bango, to pe sa bango, le souba plat, ou bako sa, la pour que ma solo, qui n'est rango bientôt, soumettre bango demande, ou ya population, qui ba bouté, munguna, libanda, to soumettre bango demande, ou ya bande konabiso, ba diaspora, ba zolanda biso, et qui demande à bande konabiso, ba diaspora, ba lobby na bango, et lo kweza la bongo, bongo, bongo. Parce que chacun d'entre eux, nabino bozolanda biso, na musika, eloko oyo bazolela ezaka bamona munguna akende libanda ya mboka ba buma bango ba beta bango sérieusement yango wana ba konzi ba komaki na kati ya ville ya Goma lobby sola to espérer le loto ko beta ta descendre sur terrain ba mona ba sala ba inspection makambo bo mona boni eko zala nango. Alors pour savoir mission na bango bon toko dévoiler angona numbang bango ate donc ezaka des choses tellement confidentielles. Mais sachez seulement une chose à retenir, Koko Manabango na Katia Villa Goma, retenez seulement une chose qu'ils sont venus se rassurer, comment est-ce qu'ils vont mettre tout en place pour mettre fin à la guerre à l'est de la République. Comment est-ce qu'ils vont mettre tout en place pour que les M23 azala libanda. Donc il y a des mobilisations à tous les coins et recoins à pays, même Libanda Yamboka, même dans la sous-région. Il y a une mobilisation pour que bamona boni bakotia munguna libanda yamboka. Retenez alors sur ce sujet kokoma ya bakonzi na kati ya ville ya Goma ki bakoma ki pour se rassurer le bon déroulement ya bitumba, le bon déroulement ya makambo bamona boni bakotia M23 libanda. Avant de clore ce sujet là, qu'est-ce que je voulais noter et que qu'est-ce que vous devriez noter s'il vous plaît et que si les M23 azolo banaye ki kokoma na kati ya ville ya Goma bakonzi pour que bamonisa combien de fois il ne verra jamais la ville de Goma, les généraux ils sont ici baye na bango plus il y a 20 généraux, je dis bien plus il y a 20 généraux, il y a sous région, il y a ba état oyo eza du feron état ya kotoyo état ya kuna ya ba commandement différent baye ya bazao pour dire ba wana eza pe image ya couper sa population force ya koloba keno biso toza awa ko bangate Koki mate bisotoza. Vous n'avez aucune idée de ce que la population était soulagée de voir ces gens descendre de la ville de Goma. Les gens ont été soulagés, bah c'est pas là qu'ils n'ont pas encore marqué, c'est comme on a qu'ils n'ont ah,
bakonzi bazo kita awa, c'est-à-dire il y a les soucis na kati na bango ya kosilisa bitumba wana. Vous qui apportez des mauvais commentaires, vous qui vous penchez que pour voir les mauvais sens ya biloko, tant pis à vous, mais nous avons une information, vous disait que la guerre tend sa fin, ni dans les stratégies diplomatiques, ni sur le terrain, je vous dis vrai, place toujours kende. Si cette mobilisation, si cette courage, si ce courage plutôt, si cette détermination continuait ainsi, cette guerre n'a plus beaucoup de temps. Na deuxième point, le baki toko solo la likolo ya bombe oyo et betamaki na Sake, dans la cité de Sake, ce tueur-là, les rebelles du M23 ont largué une bombe, et ça c'était sur les autos blindés de la SADC. Et ça qui na moko ya ba position ya SADC ba auto blindé on ya défense za kawana ba bomba kayango donc toutefois munguna meka ba myatiye donc ndenge za laka kasko lobby na bangomba musika bazali parce que pas larguer cette bombe à 35 km ou à 40 km c'est à 45 km et puis ezay loko ba sala ki likolo ba ngomba. Vous savez les M23 possèdent des armements oyo ça tellement lourdes. Bazana ba eloko oyo bazo beta ba bombe, vous pensez que vous êtes en train de faire la guerre avec deux états oyo za na puissance makasi sur le terrain nzoke za rébellion oyo za soutenu par deux états oyo tikali na anonyme elingi omomini emimonisate. Pourquoi est-ce que balarga ki bombe wana? Balarga ki bombe wana, il faut comprendre des choses. Je vous dis ici souvent que les rebelles du M23 larguent toujours les bombes sur les civils dans les camps de déplacés ou bien sur les positions des FARDC ou celles de Wazalendo. C'est toujours après avoir subi des pertes énormes. C'était quoi pour que ces gens larguent cette bombe-là? C'était avant-hier, c'était pas hier, c'était avant-hier. Où les piliers, un des piliers de M23, un des colonels de M23, un des principaux, combattant vaillant de M23 a été tué. Tué par qui? Par les Wazalendo. Dans quelles circonstances? Le colonel là, à M23, il avait plus, d'après les informations qui nous est venues fraîchement de Rutshuru, il avait plus de 30 personnes à côté de lui. C'est-à-dire 30 gardes. 30 batouo baba tamboula kanae. Namulongo nae. Alors, imaginez-vous comment est-ce que les Wazalendo sont arrivés à tuer cet homme-là qui marchait avec 30 personnes, au-delà de 30 personnes. C'était comment? Batanda qui est piège. On a tendu piège à ces messieurs-là. Azalaka, souvent, ça, c'est dans les territoires de Rutshuru, précisément à Bambo, où Mutuana, colonel Wanazaki, n'a habitué à aucun décolangwa soir à qui au langwa. Les Wazalendo se sont organisés. Ils ont tout organisé. Ce qu'on a boutou à l'endenga bandai kozonga na ba cortège na ewana, on a ciblé son véhicule. Après avoir ciblé son véhicule, il a été abattu na katia mutukanae. Beta ki emasa si comme il faut, akufa ki na katia mutukanae. Le temps où ces gardes du corps balingi ba kita po ba intervenir, yango esala ki yango accrochage entre les Wazalendo et les M23. Ba garde moko ba kimaki. Bazalendo pe bakata kinzena na bango mais monsieur Zaki ko buma colonel wana et puis colonel wana akufaki. Lobby dans le territoire de Rutshuru, il y a eu des réunions d'urgence. Réunion d'urgence, babengana ki colonel akufi. Tozo lukana na ba image. Une fois tozo na ba image to ko balancer le bino ba image ango bino bolela ka bomo na ba image po bondima et loko ezo salema. Mais Boebi wa les abakwe ils ont occupé avec les rebelles du M23 tout le canal ba image wana. Mais la société civile sur place batuoyo ba fandi na kati ya mboka ba pesi biso vraie version à makambwana. Gilles oyo aza porte parole ya Wazalendo a pesi biso précision na détail lobby tozala ki bo ezala ki butu ezala ki boe. To beta ki bango to buma ki mokonzi na bagwana. Sko, après avoir ko buma mokonzi ya M23 wana, ne M23 ezongi na pression. Cela, ce drame s'est réalisé dans le territoire de Rutshuru. Mais, bango ba zongi na drame, ba kei ko beta bombe sko wapi dans le territoire de Masisi. Si koloa mecha wana, ne ba ye o bazana kati ya territoire de Masisi, ba largue bombe sur le paisible territoire.
citoyen. Heureusement, il y a qui makambo akosala makasi te, il y a que de blessés, il y a pas de mort et que les blindés oyo ya Sadek et Simba makite. Il visait mais Simba quitté. Donc c'est ça qu'il faut comprendre si cette situation. Parce que après avoir ce qu'on kokimisa ba bagarde du corps ya nani ya colonel o ba Bumaki lobi sikoyo. Corneille Nanga, parce qu'il faut lui dire en son nom, Corneille Nanga a ordonné qu'on vide des deux quartiers, dans les Bambo toujours. Et on a déplacé les gens sans raison, ya koye baba déplacer les Bango ponanimi. Plus de 500 ménages, comme vous voyez là, les gens sont en train de se déplacer. Plus de 500 ménages ont pris de part, c'est-à-dire, ba kimisaki Bango na ba quartier na Bango. Balobi batika quartier wana vide, deux quartiers. Nakati bambona balobi batika yango vide deux villages batika yango vide etikala nango vide to ebite pona nini corner nanga zo sala biloko wana il nous est venu encore fraîchement de ce territoire lobi wana keno corner nanga a ordonné qu'on tue une maman on l'a pas tué mais bakata ki loboko pourquoi alingaki asala na e babiloko na ebi o alingaki asala na ete maman wana boya kisko a ordonné ki bakata maman wana loboko. Cher Corneille Nanga, si vous estimez que yo ozana tête ya M23, yo kozwa mboka awa et qu'on établir paix, si vous estimez, je dis bien si, pourquoi ne pas bien traiter d'abord même les gens oyo occupés kuna? Pourquoi ne pas traiter même ces paisibles citoyens au bazar sous occupation à place aux Ali? Ils sont donc ils vivent là où place aux A. Ils vivent de là où tu es chef. Tolo bayango bongo. Mais bazo nyo kwa ma bazo li ate ozo kanga bango. Ozo nyo kola bande kona yo. Ba Congolais. Pourquoi ça? Obliger les gens à déménager. Obliger les gens à déguerpir. Obliger à tuer les gens comme ça. C'est pas bon. Ça montre déjà combien de fois les M23 a échoué. Sur le terrain, parce qu'il faut le dire vrai. Ces derniers temps, ozo sale manakati ambo kawa. Biso tuza awa tuza. En direct et en boca, il faut tout le monde qui nous a échoué. Basi ba échoué. Depuis qu'ils ont été désinstabilisés dans les territoires de Massissi avec ces 9 collines-là, ils ont déjà échoué. Ils sont encore, s'il faut le dire, ils sont encore dans les Mouesso comme ça, dans les Chacha et Mouchaki, dans des localités comme ça. Et ne vous inquiétez pas, vous qui faites des commentaires, vous qui soutenez les M23, vous qui nous suivez, vous soutenez même les M23 parce que Bozali Bolana Kabiso. On s'en fout de vous. Mais il faut vous dire vrai que dissipé Makambouana Ezo Sila. Donc, voyez donc comment est-ce que ce drame s'est réalisé. C'était à cause de ces colonels qui étaient tués des M23, que les Ouazalendo ont tendu piège et ont tué, que les rebelles du M23 aussi ont déplacé les gens dans deux quartiers à Rutshuru. Ont obligé les gens à se déplacer dans deux quartiers, mais également ont largué aussi des bombes dans les bases de la SADC. Voilà donc la situation. Bon, ils ont continué. Mais à ce qui concerne la guerre jusqu'à présent, notez qu'il y a des calmes précaires. Nous allons aussi soumettre cette question aux autorités. Tobanay Kole là-bas, Koma. Désormais, ils sont là, Bazad dans la ville à Goma. Nous allons soumettre aussi cette question disant pourquoi est-ce que Bazo observé à calmer. Pourquoi ne pas continuer avec les combats? Donc, voilà la situation en ce qui concerne la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Voici ce qui est en train de se passer en réalité au jour d'aujourd'hui en RDC, à l'est, il y a Katiamboka. On ne saura pas finir sans parler de cette situation de déplacés de guerre qui continue à souffrir dans les camps de déplacés. Bazo mené vie moko difficile. Comme je vous l'ai dit, à ce moment où Mboulezo beta, Bazo vivre na baka, donc d'une manière vraiment déplorable. Bazo zoya koliate, Bazo zoya kolatate, Bazo zoya komelate. Donc, de partout oyo zali, qu'il vous plaise. Kosa la moi contribution kosunga bangozana elamba. Vous avez l'habit, vous avez n'importe quoi, sentez-vous à l'aise de venir soutenir les déplacés de guerre. C'est maintenant ou jamais. Si vous ne venez pas soutenir les déplacés de guerre aujourd'hui, nous n'espérons pas que vous viendrez encore un autre jour. Vous êtes à Goma, vous êtes à Kinshasa, vous êtes n'importe où. Sentez-vous à l'aise de venir en aide les déplacés de guerre. Vous pouvez avoir des habits auxquels vous ne portez plus. Sentez-vous à l'aise de les amener
et nous allons les donner à ces gens. Ou partez vous-même directement dans les cas de déplacés et veillez aider ces gens. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, ils sont en train de souffrir. Ce qui leur arrive aujourd'hui peut aussi vous arriver demain. Et que Nathan Oyo Bazo souffrir, c'est Biso Nde et Sengelitoya Nakosunga Bango. Voilà un peu les détails que j'avais pour aujourd'hui. Voilà un peu les informations autres à la Kinango Lelopo Nayo pour la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons déjà tout préparé, sur les lignes de front avec Bakonji, tout le monde a boni biloko et Salema. Nous vous demandons de rester toujours scotché, de rester fidèle à notre chaîne pour d'autres actualités. Oyeko Salema, tout ce qui va se passer au terrain, nous allons vous revenir pour vous donner les précisions et les détails sur cela. J'étais Youssouf Kibingila David, je dis merci de partout où vous vous trouvez, de nous avoir choisi, de nous avoir suivis. Je le dis au départ, je suis journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo. Je reste joignable au plus 243 9 93 46 71 93. Ça, c'est mon numéro, se trouve sur Airtel Money, mais également sur WhatsApp. Vous voulez nous appeler, nous subventionner, avoir plus d'informations. Voilà notre numéro pour nous contacter. Prenez bien soin de vous, les dames et messieurs. Excellente journée à vous tous et à vous toutes. Et à la prochaine pour un nouveau décryptage sur Congo Live Télévision.